Bonjour, bonsoir tout le monde. Merci parce que avec équipe TV Caraïbes depuis Bombardier Police, c'est un plaisir pour nous rejoindre pour une autre vidéo. Jodi a nous pas développer 4 grands points pour une information, mais avant nous faire ça, équipe TV Caraïbes voulait remercier tout le monde qui toujours branché TV Caraïbes pour information pays. Et un gros remerciement avec ça, toujours qui ton commentaire pour nous positif ou bien négatif. Ici dans Bombardier Police, équipe TV Caraïbes, nous apprécions ça. Si c'est première fois visiter nous, si information nous partager ou aimer ou capable toujours abonner avec TV Caraïbes et puis pas oublier ouvrir chaîne notification, ça va permettre ou faire partie équipe notification TV Caraïbes là. Et ça t'a impressionné nous en pile, sous t'es capable aider nous grandir chaîne ça. Et bien nous pas perdre temps non là, n'a déroulé avec information yo en nous. N'a démarré avec information yo 4 dans 7 monde qui t'ai rejoint l'arrestation yo avec ancien député Delma Tabala, Anel Belizer répond une question juge d'instruction Godly Joseph. Et nous voulons partager ensemble avec vous tout, il y a un gros fait qui t'ai éclaté dans soirée 13 pour arriver 14 janvier 2021 dans marché Guéry. Et nous voulons partager ensemble avec vous tout, Mathias Pierre qui c'est un ancien candidat pour poste président pays a encouragé président République là Jovenel Moïse pour joindre consensus avec différents acteurs dans vie nationale là pour arriver mettre un gouvernement pour organiser élection dans fin 2020. L'autre information, qui répare à Saint-Anne-là, explique état avancement reconstruction l'église là, qui est écrasé dans le tremblement de terre 12 janvier 2010 là. C'est information ça, on nous pote pour vous, nous pas perdre du temps, n'a pas commencé coulier! Il y avait également Gary, ensuite McKenton. Donc, étant donné que l'instruction est secrète, et le juge d'instruction, c'est le juge des indices, c'est pas le juge des preuves. Il est là pour analyser, ensuite pour trouver des choses suffisantes. Donc, on attend le suivi du dossier, parce que le juge d'instruction a comme boussole la loi, et c'est à la base de la loi que le juge va pouvoir décider. L'instruction est secrète, on était sereine, on attend. En termes de procédure, jusqu'à présent, on est en train d'analyser, on attend, parce que le juge, lui, il est là pour analyser également les faits, il est là pour rechercher les indices, ensuite décider sur le cadre. La Constitution a bien dit, on peut arrêter une personne, on peut mettre la personne en détention, mais cette détention ne doit pas se faire en dehors des cas prévus par la loi. De toute façon, le cabinet va pouvoir continuer avec la procédure, mais on doit attendre le résultat du juge d'instruction. Normalement, demain, on devrait extraire un autre détenu. Et l'autre personne, c'est pour la semaine prochaine, je crois. Bonjour, ma père de Bizi. Est-ce que malheur, est-ce qu'il toujours paix, prière? Je vais tu pas côté un an nous brûler, et puis l'autre dit qu'il va arriver pour nous brûler, encore nous perdre tout ça, nous gagner. Et pour des quoi faire pour nous, comme pas pour nous, pourquoi est-ce qu'on peut faire? Et nous voilà dans le bureau, la pourquoi, et puis mettre tout ça qui va arriver dans le pays. Et pas nous faire des Bizi. Mais ça, problème. Il faut manger tout le bagage. Tout le bagage finit par gagner encore.
son paquet marchandise. Bon, si nous caïvalier, comme nous venons là, nous ne caïvalier. Oui, caïvalier parce que tout quoi marché est un grand. Bon, pays loc là, nous fait 3 mois loc, nous allons bonheur. Marchandise là seulement au mois de décembre. J'ai dit chaque jour, nous va bonheur toute marchandise à pompe. Ça veut dire pas que j'aime caïvalier là tellement perdu. Tout le monde est bien. Mais ce parce que ma vente, ma acheté, nous avons une bagarre, nous avons une bonne bagarre. Nous sommes dans le monde, 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 nous sommes dans et puis moi qui voulais pas voir cela. Les rivières, c'est son tas de blés, de combres nous sommes arrivés. Ici, fait de, nettoyer toutes les combres. Et puis ensuite, reste l'église à nous démolir. Et puis nous voyons rivières transporter toutes les combres. Et puis, premier bagage nous fait, c'est un espace. Pour nous capables de permettre de retourner à la paroisse là, pour la vie capable de retourner après le de terre, en pile fidèle de dispersé, il faut nous rassembler la communauté, puis payer au vivre et à distance. Donc il faut que nous ayons espace pour nous capables de retourner dans la paroisse là. Et puis après, c'est des marches qui ont commencé pour nous faire un financement pour reconstruction de l'église paroissiale, l'église Sainte-Anne. Et des marches, ça a été prend presque 6 ans, 6 à 7 ans, pour nous réussir à trouver fonds. C'était obligé d'écrire en pile côté, en pile partenaires étrangers. C'est au moins 5 qui finit par nous en cofinancement. Et qui était totalisé 1 900 000 dollars américains pour nous commencer le projet. Et avec fonds à nous recevoir, nous démarrer le projet de reconstruction de l'église là, en janvier 2017. Et deux ans et quelques mois après, 2017, 2020, ça fait 2 ans. 2 ans après, eh bien, nous réussissons à réaliser de grosses œuvres. C'est-à-dire, l'église qui est terminée aux 3/4. C'est-à-dire, le gros œuvre est terminé, les gros travaux terminés. C'est-à-dire, fini avec la première phase là. Et qu'on y a nous gagné pour nous attaquer la deuxième phase là, qui c'est phase finition. Mais malheureusement, avec la situation pays loc depuis septembre, eh bien, le chantier a été obligé de camper. Donc nous redémarrer là depuis janvier pour être capable de finaliser les premières grosses œuvres là. C'est-à-dire mettre portes, fenêtres, et puis gagner une flèche. Nous elle là, il y a au chafaud ça là, pour nous mettre en l'air. Et puis après ça, c'est après vos finitions qui a prêté. Mais malheureusement, nous n'avons pas de financement pour la deuxième phase. Et après fête patronale 2018-19 là, nous avons eu un rapport financier par différents partenaires qui ont aidé nous à faire ça, nous réaliser là. Et bien, nous avons profité de l'occasion pour demander un supplément d'aide et un complément. Mais il y en a d'ailleurs qui parle au nom de toutes. C'est Adveniat qui dit nous qu'il y a d'autres priorités, d'autres paroisses qui étaient détruits dans l'occasion de tremblement de terre et vous pouvez même attaquer. Donc, priorité, c'est à paroisse. Donc, c'est nous-mêmes, c'est la communauté locale qui doit se débrouiller pour trouver des fonds locaux pour finition de l'église. Mais ça prend combien de temps pour finition de l'église? Donc, avant ça, fonds, combien on évalue les films? Enfin, on a étudié fait depuis 2014-15, donc il était fait étude pour toute l'église là, donc finition et deuxième étape là coûté à peu près 313 000 $, donc soit presque 400 000 $ américains pour nous faire faux plafond, pour nous faire céramique
le carrelage, pour nous faire mettre son dans l'église, la sonorisation, pour banc. Bah, lui-même seul, il montait à $89,000. Il y a trois projets, trois devis étaient faits pour nous. Nous prenons ça plus bas. C'est $89,000 américains pour nous meubler l'église. Ensuite, pour nous faire peinture et puis aménagement externe l'église. C'est-à-dire tout autour de l'église, aller pour nous. Donc ça, il faut nous avons besoin à peu près $400,000 américains. Deuxième phase, là, c'est une l'argent fini déjà, c'est parce qu'on n'a pas gagné fonds. C'est au niveau local, c'est communautaire, et une communauté qui est extrêmement pauvre, très pauvre. On est dans les différentes catastrophes qui passent dans le pays, ça, qui sont catastrophes naturelles ou bien politiques. Donc, tout le monde a été dispersé. Donc, ensuite, les gens qui l'ont eu, c'est décapitalisé avec tous les différents événements fléaux qui sont tombés sur le pays, et en particulier sur Paroisse. Hein. Donc, il n'y a pas de gros moyens. Donc, c'est petit, nous avons réuni, fonds à travers quête, à travers enveloppe spéciale, nous distribuer pour les gens qui ont fait 1000 gouttes, les gens qui ont fait 500 gouttes, ou davantage, si vous voulez fait 5000 gouttes, 10000 gouttes, sur le moyen, n'est-ce pas, pour permettre nous finaliser la construction de l'église là. Et d'autres activités, nous avons chaque mois, nous avons une enveloppe que nous remettons à la fin du mois. Et nous avons mettre une enveloppe ça 100 gouttes, et puis une enveloppe spéciale là, parce que nous avons un marché pressé là. Parce que le film, pratiquement, les transférer matériel là. Parce qu'il y a un chantier Tigouave, et il a construit l'église Tigouave, il y a d'autres chantiers. Donc il n'y a pas qu'à quitter pour mon plaisir nous. Et tout le matériel là, n'est-ce pas, est inutilisé. Et ça fait dire nous, si nous voulons profiter de l'échafaud, ça a fait pour capable installer flèche l'église, là, tout le monde connaît cette année de flèche. Donc l'idée a fini, c'est installer pour installer. Et pour faire ça, il est obligé de construire un échafaud. Donc, si nous devons profiter des échafauds sacs là pour nous faire peinture l'église là, donc il est bon pour nous, il est un avantage nous. Parce que sinon, si on a démoli, n'est-ce pas, échafaudage là, on a obligé de louer matériel et puis engager des charpentiers pour refaire échafaudage là. Donc, alors que si nous devons profiter pendant là, nous avons tout fait peinture là. Et peut-être ça, nous avons un marché pressé. Il faut nous faire là, moi janvier, après le 30 janvier ou plus tard, il y a démoli. Échafaudage là. Fidèle de paroisse, déjà, depuis la dernière fête patronale, on était déjà sensibilisé, mobilisé, stimulé, encouragé fidèle pour contribuer pour nous finir l'église là. Mais avec la situation de notre vivre là, presque 5 mois, n'est-ce pas, d'inactivité, d'inaction, et puis pas de travail fait, et pour les gens qui ont un travail, soit mettre en disponibilité employé ou bien révoqué. Donc, c'est une situation qui vraiment est compliquée. Qui est difficile pour comprendre. Mais quand même, dans 5 bagages d'activité d'intérêt pour nous faire pour finir sur l'église, là, nous avons 2 qui sont prioritaires, c'est céramique avec peinture, parce qu'on n'est pas capable d'inaugurer l'année, ça faut nous inaugurer l'église là, et faut nous célébrer 150 ans depuis Saint-Anne de Paroisse. Donc, nous ne pouvons pas casser l'événement sérieux dans l'église, il y a l'église où elle est là. Au plus tard, le 26 juillet, qui c'est l'occasion de fête patronale par là, faut nous célébrer 150 ans. Nous avons un projet, intention, célébrer 4-3 événements sérieux d'un coup. Et inauguration de l'église là, fête patronale, et puis 150 ans. De fondation paroisse là. Mais nous venons garder qu'il y a trop de confusion si nous célébrons trois événements ensemble. Donc nous avons obligé de détacher l'inauguration de l'église qui sont l'autre liturgie et puis faites pas ton allah qu'à célébrer ensemble avec 150 ans. Donc pour nous arriver à faire ça, nous comptons sur collaboration, sur concours, communauté paroissiale là et puis communauté porto-princienne là, communauté, n'est-ce pas, pays d'Haïti.
Voilà. Équipe TV Caraïbes là dit merci avec tout le monde qui était branché pour te capter des nouvelles informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier pour nous abonner avec chaîne là, c'est TV Caraïbes. Et toujours songez pour activer la cloche là. Les nous la grande vidéo pour capable joindre nous, son pas besoin chercher pour nous. D'accord? Eh bien, passons une agréable journée tout le monde. Une agréable soirée si c'est matin, bon matinée.